La Beauce-Val-de-Loire, territoire agricole de référence et région leader dans la production végétale, a décidé d'inscrire ses filières agroalimentaires dans une démarche active HVE, la Haute Valeur Environnementale. Portée par le premier collectif régional interfilière, la certification Haute Valeur Environnementale a été mise à l'honneur en septembre 2021, où partenaires régionaux, acteurs locaux et producteurs se sont retrouvés lors d'une journée découverte sur le terrain dans une ambiance positive et conviviale. Au programme, rencontres et échanges autour de la démarche HVE. La Haute Valeur Environnementale certifie le caractère éco-responsable d'une exploitation agricole dans son intégralité. Il s'agit d'une démarche globale et volontaire de la part des agriculteurs qui s'appuie sur 4 indicateurs de performance environnementale. Des producteurs de la Beauce-Val-de-Loire, déjà engagés dans cette démarche HVE, ont ouvert leur exploitation et accueilli les visiteurs pour expliquer le bien fondé de cette certification, leur motivation, les avantages, les contraintes et la valeur ajoutée qu'elle génère. Des 72 bêtes, je fais des bandes fleuries de 2 mètres de large à peu près. Donc dedans, j'observe beaucoup de coccinelles, de cires, d'araignées, d'abeilles forcément. On est obligé de faire des arbitrages sur les cultures pour avoir des plantes qui vont être moins exigeantes en eau. Maintenant, j'utilise des mélanges variétaux. Sur le blé dur, je mets une variété quand même qui est assez productive. Je mets une variété qui a des qualités protéines et PS qui est plutôt bonne. Et après, la troisième variété que je mets avec, c'est une variété qui est peu sensible à l'averse. La certification HVE propose une réponse aux enjeux environnementaux et aux attentes des consommateurs, tout en permettant de pérenniser l'activité agricole régionale. C'est une philosophie. J'y crois, mais j'investis. Et ça me coûte cher, voire très cher par moment. Et on prend un risque énorme. On n'est pas à l'abri d'années vraiment compliquées et du coup en productivité, on va baisser, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on espère que le consommateur sera à l'écoute des démarches qu'on fait, de l'effort qu'on fait pour qu'on puisse valoriser nos produits de la meilleure façon possible.